Bonsoir, bonsoir à tous. Malkavian Gaming, bienvenue, merci beaucoup pour le follow. Bonsoir, alors premièrement, est-ce que tout le monde m'entend bien? Le décor, eh oui, c'est un late show, n'est-ce pas? Est-ce qu'on m'entend ou pas? Oui, c'est bon, génial, super. Alors, ce soir, donc, vous êtes tous là, voilà, il y a beaucoup de monde, vous êtes venus pour Mélanie. Yes, donc je vais appeler Mélanie tout de suite pour qu'elle puisse nous rejoindre. Donc ce soir, langue des signes française. Pour changer, c'est pas moi qui vais réviser et me tromper dans beaucoup de signes comme je le fais souvent le lundi. Donc là, ce soir, c'est avec ma professeure de LSF, voilà, de langue des signes française. J'ai le plaisir d'accueillir Mélanie. On l'accueille tout de suite. Hop là. Voilà, bonsoir Mélanie. Bonsoir, ça va? Moi ça va, moi ça va. Un peu fatigué, mais non, ça va. Je suis très très content de te voir ce soir pour le live. C'est génial, c'est super. Donc, ouais. Mélanie, elle va parler un petit peu pendant le live. Voilà, signer, parler en même temps. Donc voilà, les transitions, c'est magnifique. Voilà, juste Mélanie, est-ce que tu peux toi parler un petit peu pour être sûr que le micro marche bien? Et plus tout le moment, attends. Voilà, là, dites si le son de Mélanie est bon dans le chat, si c'est bon, on peut. Eh ben, c'est très bien, c'est très bien. Si l'équilibre est bon entre la musique et les paroles, voilà, si la musique c'est trop fort, c'est pas bon, vous me dites et puis j'arrange avec le mixage. Donc voilà. Oh, je suis content, je suis content là que tu sois là ce soir, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc Mélanie, donc toi je te reçois parce que donc toi tu es kiwi des bois, bah, trop heureux moi aussi parce que toi en fait voilà bon je le dis beaucoup sur Twitter mais toi bah t'es ma professeure de LSF. Toi, voilà, c'est ma professeure à moi. Enfin pas qu'à moi. Toi tu es professeur aussi donc dans les écoles. Explique-nous un petit peu ton travail, toi. Je travaille en tant que professeur de langue des signes depuis la troisième année. Là, j'enseigne dans deux établissements différents, dans un collège avec des sourds. J'enseigne la langue maternelle, c'est-à-dire que j'enseigne tout ce qui est de le lexique, la grammaire, la syntaxe, etc. Et je travaille aussi dans un lycée public avec les entendants que de choisir la langue des signes comme option élective au bac. Ça fait 2 ans que j'enseigne au lycée et c'est la première année que j'enseigne au collège à Paris. Et à côté, je donne des cours particuliers à Laura, mais aussi à d'autres personnes à distance en visio. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, pour le bac, toi aussi, c'est comme ça que tu as appris la LSF. Il y a longtemps maintenant, ça fait quelques années. Moi j'ai appris la langue des signes, du coup j'avais 16 ans, j'en ai 25, donc ça fait 9 ans. Donc, ça fait 10 ans que j'apprends la langue des signes. Oui, j'ai appris au lycée avec mon professeur qui était sourd et deux camarades sourds. Donc j'apprenais naturellement la langue des signes. Pas des cours académiques, cadrés, tout ça, plus avec des amis sourds, des rencontres, tout ça. Et YouTube, tout ça. voilà, aussi sur YouTube, j'ai fait des formations de langue des signes pour apprendre, monter des niveaux, etc. J'ai fait plein de choses, quoi. Parce que c'est. On me demande beaucoup, voilà, où voilà, je peux apprendre la SF. Donc, bah justement, si vous êtes encore jeune, vous êtes encore à l'école, bah pour le bac. Vous pouvez choisir, un petit peu choisir la LSF. C'est pratique le truc que tu m'as appris hein, pour signer LSF, parce que l'alphabet au début c'est dire. Moi je dis toujours signer, mais du coup c'est L, on referme le point pour faire le S et tac, le F. Tac, tac, tac. Je me suis entraîné
Je me suis entraîné tous les ans, je me suis entraîné jusqu'à ce que j'ai mal à la main à force de faire à l'SF, à l'SF, à l'SF. Donc du coup, vous pouvez vous entraîner. Et également, bah voilà, en dessous, là, je vous mets, vous avez le lien vers les différents. Donc il y a la chaîne sur, donc sur YouTube, sur YouTube de Mélanie. Donc il y a Mélanie Diff, il y a Signe Demain. Donc les deux chaînes. Donc les deux chaînes, elles sont différentes. Hein. Il y a Signe Demain, c'est plus LSF. Vas-y, Bah, explique. en fait, ma première chaîne, c'était Signe Demain. C'était Signe Demain. Il n'y a pas de signe pour ça, voilà. C'était ma chaîne que j'ai créée spécialement en LSF. C'est-à-dire que, bah, peut-être que le vocabulaire, un thème, par exemple les pays, les villes, etc. Mais que un des signes. Et ça fait des années que je fais des vidéos sur ça. Sauf que, au bout d'un moment, j'ai commencé à freiner parce que je sentais plus vraiment la motivation de continuer à faire ça. Et je sentais plus l'importance de me battre pour la communauté turque, c'est-à-dire de accessibilité, de culture turque, protéger, pour expliquer aux entendants. Qu'est-ce que c'est la culture turque, pas que tu peux abriter, quoi que ce soit, mais aussi pour expliquer les termes précis comme on dit pas langage des signes, mais on dit langue des signes, des trucs comme ça, quoi. Et du coup, j'ai créé ma chaîne Mélanie Diff où je m'exprime à l'oral parce que je suis plus à l'aise à l'oral qu'en langue des signes. Enfin, il y a. Je l'ai créée. C'est bon. En fait, ça va faire 5 ans que j'ai créé cette chaîne. Mais il y a 5 ans, j'étais beaucoup plus à l'aise à l'oral qu'en langue des signes. Aujourd'hui, j'étais les deux. Mais voilà. Donc, je continue ma chaîne Mélanie Diff. Et je signe demain beaucoup moins. Enfin, là, ça va faire 1 an que je n'ai pas mis de vidéo. Oui, mais ça va revenir. T'as pas le temps. Maintenant que t'es professeur, c'est chaud. Voilà. Mais c'est vrai parce que toi, la langue parlée, bah, c'est ta première langue. Alors que, par exemple, Lucas, la LSF, le sien, c'est sa première langue. Il a appris à parler après. Donc c'est pour ça que pour toi, c'est plus facile de parler. Ok. Et du coup, alors ils disent. Ils disent, je vois dans le chat, je lis, qu'ils disent pour la dactylo, pour la souplesse, ça va venir. Bah oui, ils disent souvent beaucoup, beaucoup de personnes sourdes. Ils expliquent pour la LSF, c'est à peu près 8 ans. C'est 8 ans pour signer vraiment, que ce soit super facile, que ce soit fluide. Toi, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, c'est maintenant ça va, c'est facile, c'est. C'est plus fluide. En fait, l'important, c'est de rencontrer des choses. Ouais. Là, on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, plus vite et plus facile. Et puis là, Après, t'as pour des le café des signes, maintenant c'est mort, parce qu'avec le Covid. Mais par contre, le café des signes, t'es fermé, tu sais. Mais je crois que c'est fini. En ce moment, il y a des vidéos. Donc, il y a des deux précis. Je crois que c'est le vendredi. Le vendredi. Il y a Il y a des des groupes ouais, sur cafés Facebook. des signes. Voilà, c'est ça. Le café des signes à distance. Ça peut être intéressant pour les débutants ou des personnes qui veulent discuter. Ça peut être intéressant. C'est bien. Après, des fois, c'est un peu difficile parce que quand il y a beaucoup de personnes, ça divise l'image, ça fait des toutes petites images et pour réussir à voir les signes, on est comme ça, on se rapproche, c'est vraiment difficile. Mais on trouve des petites astuces, on triche un peu, voilà. Avec le Covid, on slalom comme ça pour trouver des endroits. Alors, première question. J'ai une question. Si ce n'est pas trop personnel, pourquoi Mélanie n'a pas appris la LSF en première langue? C'est un choix de ses parents, une difficulté ou trouver une école adaptée? Est-ce que tu arrives à lire? C'est suffisamment grand? C'est bon? J'ai lu, c'est bon. Ok. Alors, pour répondre à la question, t'es pas personnel. Alors, en fait, comment dire, quand je suis née,
Ma famille, les médecins, tout ça, je n'étais pas aperçue de ma tout de suite. En fait, j'ai oublié de faire des tests de ma surdité. Du coup, chez mes parents, bah, comment dire, pendant un an et demi, même à fermer les portes, à faire des bruits, des gestes, tout ça, apparemment, je n'étais pas surpris des gestes, enfin, je m'affichais. N'était pas au bout d'un an et demi, hein, tout était bien avant. Il m'a mis de voir un médecin. Il m'a dit que bah, c'était une enfant sage. Moi, personnellement, je ne suis pas une enfant sage, hein, j'étais assez nerveuse. Et un peu plus tard, la situation était la même, la même, la même. Du coup, mes parents ont décidé de m'emmener à l'hôpital à Paris. Et c'est là que le médecin l'a dit, bah oui, après, je suis sûre. Et du coup, bah, mes parents ont été perturbés par cette situation. Au bout d'un an et demi, quand même, ils ne savaient rien du tout. Et c'était en 1996, du coup. Et à cette époque, bah, la langue des signes n'était pas vraiment reconnue en France. Du coup, mes parents, comme ils habitaient en campagne, l'association la plus proche de chez eux, donc ils ont fait appel. Et bah, ils ne proposaient que la lecture labiale et pas de langue des signes. Du coup, je suis LPC. Et mes parents ont appris le LPC, etc. Sauf que bah, je n'aimais pas le LPC parce que ça ne m'aidait pas du tout pour apprendre à parler. Du coup, avec le docteur Fini, tout ça, tout de suite, j'ai commencé à parler. Et ça a été pas facile, mais ça a été assez naturel, en fait. Je n'ai pas eu de complications pour apprendre à parler. Donc, ça a été plus naturel que d'autres enfants après. Ça dépend, chacun est différent. Et du coup, voilà pour l'oral. Et pour trouver une école adaptée, bah, tout de suite, j'ai fait ma primaire dans mon village. Ça veut dire que le professeur est adapté à moi, mes amis, pareil. Je ne sentais pas de difficultés, je n'étais pas en retard par rapport à d'autres. Mais après, quand j'étais au collège, au lycée, là, la loi Pôle, il y a eu des aides, du soutien, etc. Ok. Tu parlais du code, le code LFPC. Le code LFPC, c'est Dame Fanny. Fanny l'avait expliqué sur le XXL sur Point de vue social. C'est un code, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas comme la langue des signes. C'est un code où, en fait, il y a des clés avec les mains qui font les voyelles, qui font les voyelles en fait en fonction de la position de la main sur le visage, ça va faire les sons fe, me, be, pe, par exemple. Ça évite les similitudes labiales, ça facilite la lecture labiale en fait. Par exemple, si on dit pantalon ou mentalo, et ben sans le son, ça fait pareil. Et pour lire sur les lèvres, c'est très difficile. Donc là, la LFPC, ça aide vraiment beaucoup. Ça aide vraiment beaucoup. Et c'est un code, en fait. C'est un code. Mais ça s'apprend vite. Ça s'apprend vite. Après, pour être fluide, faut du temps, faut s'entraîner. Et toi, tu codes bien? Tu codes bien la LFPC? Ça va vite. En fait, T'as tout oublié? bah, en fait, je ne l'ai pas vraiment appris. Ah, d'accord, ok. C'était ma famille qui l'a appris, mais moi, je ne sentais pas le besoin de dépiler, enfin, de coder, je veux dire, de coder. Du coup, tout de suite, j'ai abandonné l'idée. Mais par contre, la seule chose que je sais, c'est mon prénom. LTC. Mais là, non. Et Voilà. oui, tout de suite. Donc voilà, c'est le langage parlé complété. Alors c'est la langue française parlée complétée. C'est bah, pour ça qu'on dit LFPC maintenant, parce qu'il y a le F pour française. Ça a changé il y a 2 ans. Hein. Moi aussi je disais. Et c'est langue ou langage français parlé complété? Hein, c'est langue ou langage français parlé complété? Pour la LFPC, le L, c'est pour langue ou langage?
Avant, c'était langage. Langage, Maintenant, c'est maintenant. devenu langue. Langue française parlée complétée. Donc tu as raison, avant c'était langage parlé complété, maintenant c'est langue française parlée complétée. Oui, ça changeait pas longtemps, Malkavian. Moi aussi, je me suis fait reprendre plusieurs fois. C'est un peu relou de se faire reprendre quand tu apprends en par cœur tous les bons codes. Bonne nuit, ma chouquette, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, papa. Je vais dormir. Oui, c'est ça. C'est ça, il est tard. Donc, alors, je ne peux rester malgré une énorme envie d'être avec vous. J'espère pouvoir garder la rediff. Le moment venu. Merci Laurent pour cette visibilité. Merci Mélanie pour tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Bah de rien, mais merci toi d'être venu. Il y aura la rediffusion. J'essaierai de la mettre sur YouTube également. Mais surtout, comme tu parles de réseaux sociaux, je vous ai mis en dessous sur la barre qui défile les réseaux sociaux. Donc, il y a le Twitter de Mélanie. Donc il y a le Twitter, il y a YouTube et il y a aussi Twitch. T'as une chaîne Twitch. Donc en ce moment, elle est en pause, mais ça va venir. Bah, Bientôt, bientôt. je... Il y aura des lives bientôt. Comment c'est? Je n'ai pas encore commencé. Merci Osiris pour le follow. Il faut que tu récupères la rediff de mercredi. Mercredi, c'était sur l'handicap invisible et la MDPH, effectivement. Donc, ce sont des follows. Oui, il y a tout, il y a tout. C'est style. C'est professionnel. C'est vraiment le live professionnel. Voilà. Donc. Au niveau de YouTube, donc tu fais au niveau de YouTube, là en ce moment c'est un petit peu en pause parce que le temps tu l'as pas, t'as Bah, trop de travail avec l'école, tout ça. c'est ça, mais c'est surtout je manque d'idées en fait. Que j'ai remarqué que mes vidéos d'avant, mes anciennes vidéos là, J'étais très jeune, j'avais les cheveux longs, longs, les cheveux c'était mais super long. là, toutes mes vidéos là, la marque, comment dire, c'était beaucoup, beaucoup de combat pour la visibilité, etc. J'ai l'impression que je me répète un petit peu. Au fond de moi, je me rappelle des vidéos sur YouTube, mais plus de moi-même. J'ai l'impression maintenant comme Tu dis de faire des toujours la efforts, même de faire chose. des vidéos pour me battre. De temps en temps, c'est bien, mais tout le temps, voilà, c'est toujours la même chose. Après, Mais parfois, tu peux faire des vidéos, les refaire les mêmes, mais plus jeunes, voilà, les faire en mieux, pourquoi de là? je pourrais, mais j'ai pas la motivation. Ah, c'est J'ai ça, c'est difficile. envie de faire des vidéos, mais plus de discuter, de raconter des choses, les voyages, des trucs comme ça. Et après, Bah c'est un sur, changement euh, aussi. sur, euh, sur, sur Twitch, Un peu c'est plus. bien, c'est mieux pour ça, pour faire intervenir Oui. des gens, pour Pas mieux des. discuter, voilà. Écouter, répondre, Ouais, enseigner. il y a le côté, c'est en live, donc c'est plus facile. C'est plus sympa. Ouais, c'est plus sympa. Après, il y a un problème sur YouTube, c'est que les gens qui vont regarder sur YouTube, les vieilles vidéos, ils aiment pas. Ils aiment pas. Donc c'est vrai que souvent il faut refaire la même vidéo. Et là, boum, ça fait des vues, ça fait clic, 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 clic. Parce que les gens, une vidéo qui a 4 ans, 5 ans, ils vont se dire, bon, qu'est-ce qu'il y a maintenant de nouveau? Va. C'est le contenu un peu jetable, c'est le contenu poubelle, tu dis ça va marcher, et puis au bout d'un moment, ça va mourir petit à petit dans les algorithmes. C'est mal. Voilà. Mélanie, vous avez vu, hein, Mélanie, elle lit sur les lèvres. Donc j'essaie de parler bien face caméra. Donc on peut, justement, t'as dit que t'avais pas la motivation pour faire les mêmes vidéos, redire les mêmes choses. Peut-être en live, justement, là en live, de donner quelques petits conseils pour. Par exemple, les bases pour ceux qui te découvrent, qui te connaissent pas, de donner des conseils pour, par exemple, pour bien se comporter avec une personne sourde, pour bien communiquer avec elle. Voilà. Comment on peut faire? Ah, bien communiquer avec une personne, il y a plusieurs méthodes.
Déjà, je ne sais pas où commencer, par quoi commencer, mais déjà, mettez-vous bien face à la personne. Tournez pas la tête, évitez de bouger beaucoup, 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 beaucoup la tête. Que la personne est abonnée, tu le lèves, mais en même temps, elle va bouger les yeux, elle va la fatiguer. Ensuite, évitez d'avoir une grosse barbe qui cache les lèvres. Manger en même temps, avoir un chewing-gum sur soi, avoir un masque comme aujourd'hui. Merci. C'est impossible pour les yeux de lire sur les lèvres, vraiment impossible. Après, il ne peut pas parler trop fort. J'ai un petit conseil avec lui. On est sourd. Non, On est sourd, justement, on n'entend pas. les entendants, on fait tout ça. On crie, mais ça. Oui, C'est bête, c'est bête. Déjà, on n'entend pas. On parle plus fort, ça sert à rien, on Et le n'entend pire, pas. c'est que c'est encore plus difficile pour lire sur les lèvres, Ah. parce que si on crie, la bouche s'ouvre et c'est plus difficile après pour lire. Ouais, c'est le moment pareil, donc forcément difficile. Même chuchoter, des fois, ça sert à rien non plus. Je peux pas parler trop vite. De parler normal. Des fois, il ne faut pas trop utiliser les mots anglais ou des trucs comme ça. Des fois, Les c'est fini la vie. anglicismes, c'est difficile de comprendre quand ils sont là. La sens de langues différentes, c'est pas la même que la Mais il y a un truc, c'est pareil. Par exemple, si vous apprenez un petit peu la SF, vous allez regarder sur Internet, hein, vous allez regarder ou à la télé, l'œil et la main, et ben, vous allez voir des personnes sourdes qui signent, mais tellement vite. Vous allez rien comprendre, vous allez rien comprendre, ça va être trop difficile. Bah, quand on parle vite, c'est pareil pour une personne sourde. Faut parler normalement, faut pas parler comme ça lentement. On parle normalement. On parle normalement, bien en face. Si on Voilà. montre quelque chose, on dit pas oui, parce que tu vois, là-bas, là-bas, là-bas. Tout ce que j'ai dit comme ça, C'est elle ça. n'a pas pu le voir. Et de bouger comme ça, comme tu l'as expliqué. De bouger comme ça, c'est un peu comme si je disais, allez-y, lisez ce qu'il y a marqué là-dessus. Lisez, allez, vas-y, lis, lis, lis. C'est impossible, c'est Mal à impossible. la tête. T'es... Ah ouais, là, c'est fou. Et on se rend pas compte, on comprend pas quand on est entendant. On comprend pas. Bah oui, on ne te rend pas compte. Enfin, vous ne vous rendez pas compte. Bah, c'est juste fatigant. Et aussi, des conseils, par exemple, si vous êtes dans une maison, un appartement, ne vous mettez pas. S'il y a une fenêtre derrière vous, et qu'il y a le soleil ou autre, évitez de vous mettre là, parce qu'un contre-jour, c'est très difficile des fois de voir la personne, c'est vraiment la lumière. Et aussi, T'as juste une même ombre pas ici. chinoise, quoi. Voilà, t'as pas la bouche. Voilà, Alors, la question, faut voir ça, la question que t'as vue 1000 fois, mais c'est une très bonne question, hein, c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une seule langue des signes? Ok, il y a la langue des signes française, il y a la langue des signes anglaise, américaine, chinoise, japonaise. Vas-y, tu vas l'expliquer bien mieux que moi. Daniel, je c'est la vais rédaction. répondre. Déjà pour répondre à la Daniel, question, vas-y. Un je petit bisou. Oui, papa, je t'aime. Je vais faire comme le ministre anglais là, qui vient avec l'enfoqué derrière et tout. Donc oui, pour répondre à la question, pourquoi? Bah déjà, honnêtement. Je trouve que ça donne une grande richesse à la langue. C'est bah, comme l'oral, le français, l'anglais, enfin, la Belgique, tout ça. Ce qui fait que, bah, le Belgique, ce qui fait que bah, la langue, elle varie, elle change, il y a la culture différente, etc. Mais c'est pareil pour la langue des signes. Déjà, il faut savoir que ça a été difficile pour la langue des signes de se développer. Dans le pays, parce qu'à l'époque, c'était difficile de se faire connaître,
que la langue de signe a une valeur, etc. Donc pour moi, c'est vraiment une grande richesse et ça permet aussi aux sourds, par exemple, de voyager, d'aller dans un pays et d'apprendre une langue. C'est toujours un plaisir d'apprendre et aussi de découvrir la culture, etc. Mais l'avantage de la langue de signe, c'est que, par exemple, si je rencontre un sourd étranger, je parle tout de suite comprendre. Tu vas me dire, tu vas me signer, mais je vais pouvoir comprendre une bonne partie parce que c'est visuel en fait. La langue des signes, elle est visuelle, donc on peut comprendre plus facilement qu'un entendant qui va rencontrer un étranger entendant et qui ne connaît pas du tout la langue. Si voilà. Vous regardez de la SLA, donc américaine. ASL, ouais, c'est vrai que c'est à l'envers parce que du coup. ASL, ah bah du coup c'est plus facile à signer, c'est plus facile du coup. C'est oui, ASL. Parce que tu fais tac, tac, tu fais ASL. vous regardez, bah si vous connaissez un petit peu la LSF, vous allez comprendre un petit peu aussi. Il y a des trucs qui vont être un petit peu pareils. Ou alors des nouveaux signes que vous allez dire « Ah, c'est peut-être ça !» Dans le contexte de la phrase, vous allez comprendre. Mais par contre, la ASL, c'est moins visuel que la LSF. La ASL, il y a beaucoup, beaucoup de dactylologie. C'est des mots. Beaucoup, beaucoup. Après, j'ai vu, même l'alphabet, il est différent. L'alphabet, un petit peu, il doit y avoir 4, 5 lettres de différence. Oui, voilà. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi pas, voilà, c'est ça. Parce que je pourrais quand même épeler les mots si je connais pas les signes, mais non. Parce qu'il faut apprendre l'alphabet d'ASL. Oui. Mais après, il y a aussi la langue des signes internationale. Ouais. C'est pas une vraie langue. Elle n'est pas encore officielle. Et elle prend une bonne partie de la ASL. Ça veut dire, par exemple, qu'il faut rencontrer un étranger, tout ça, il faut savoir un minimum, un signe, l'alphabet, ASL. C'est ça. Voilà, comme ça. Ou alors, on a un petit calepin avec un crayon, une petite feuille, on écrit. Ou alors, on a un smartphone et on peut écrire. Ça peut être une idée pour réussir à communiquer. Mais la langue, la LSF, les lettres sont bien prononcées différemment d'une langue à l'autre. Exactement, c'est ça. Surtout que la LSF, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la langue des signes, peu importe la langue des signes, le pays, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit partout, depuis qu'il y a des gens sur Terre, il y a toujours eu des sourds. Il y a toujours eu des sourds depuis qu'il y a des gens sur Terre. Et les personnes ont toujours cherché à communiquer. Donc, ils ont commencé à signer, mais depuis des centaines de milliers d'années. C'est que récemment qu'il y a des choses qui se sont institutionnalisées dans les écoles et tout ça. Mais c'est aussi pour ça que, de la même manière que la langue parlée, les signes sont différents d'un pays à l'autre. C'est exactement la même logique. C'est pas en 2000 que tous les sourds se sont dit « Allez, on invente un code signé pour pouvoir communiquer. » Non, non, ça. Les sourds ont toujours trouvé des astuces pour communiquer. Il y a toujours eu des sourds, ils ont toujours communiqué. Et les signes, parce qu'avec Mélanie, comme j'apprends à signer, il y a plein de trucs qu'on se dit « C'est pas possible, en fait. » Par exemple, des signes en français, les mêmes en Asie, c'est impossible. Par exemple, la ville de Rennes. Rennes, on fait le signe du renne. Parce que la ville de Rennes et l'animal renne, ça se prononce pareil. Par contre, on va au Japon. On va au Japon, l'animal, le renne, il ne se prononce pas renne. Donc si on fait ça, ça ne veut rien dire. Eux, quand ils vont parler de la ville de Rennes, ils vont utiliser, peut-être, c'est même pas ça, mais ils vont utiliser
un signe qui peut-être ressemble à ce qu'on entend quand on dit la ville de Rennes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça. Et il y a aussi le côté culturel. Nous, en Asie, on fait ça parce que voilà, il y a les yeux plus étroits, les yeux qui sont bridés par rapport aux Occidentaux. Bah, les Asiatiques, ils vont pas faire ce signe-là. Pour eux, ils ont des yeux normaux. C'est nous qui avons les yeux grands. Et l'alphabet, il y a beaucoup de signes. On va prendre la première lettre de l'alphabet pour le signe. Par exemple, les couleurs, la couleur rose, c'est rose. Parce que c'est le R. C'est le R. Mais en japonais, il n'y a pas l'alphabet. Il n'y a pas l'alphabet en Asie. Donc les signes vont être différents pour les couleurs. Rose, ce sera différent. Réviser. Quand on révise, on fait réviser parce que c'est le R. La couleur bleue, ça c'est le B. Bah, bleu, c'est ça. C'est toujours, il y a l'alphabet qui est important en LSF. Alors, des fois, c'est différent. Des fois, il y a des signes, c'est pas du tout l'alphabet. Mais dans d'autres pays, justement, ça va être différent parce que le même mot, la première lettre, elle sera différente. Donc, même si le signe, il prend la première lettre, bah, le signe il sera différent aussi puisque on l'écrit différemment d'un pays à l'autre le mot. Donc c'est aussi pour ça que les mois de l'année, Mélanie, septembre, les vendanges, le mois de septembre c'est les vendanges. Bah, il n'y a pas des vendanges partout autour du monde en septembre. Donc voilà, c'est comme tu dis, c'est culturel aussi. C'est un mélange de plein de choses. Quand on se met à apprendre la langue des signes, on comprend. Mais oui. Mais oui, je suis bête. Si tu devais avoir le katakana hiragana en signe, bah oui, mais ils ont leur signière, ils ont une langue des signes aussi, et en fonction des régions, il y a des signes différents aussi. Même en France, hein, Mélanie, tu connais différents signes de L, S, F pour le même mot? Par exemple, je sais pas. Et une personne gamme. Avec le signe maman. Ouais. Il y en a plein. Mais oui, par exemple, maman. 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 Il y en a plein. Il y a un nom. Je ne sais pas combien, mais il y a aussi le signe fraise. Fraise. Il y en a plein aussi à fraise. Il y avait aussi, en fonction des régions, il y avait aussi, on m'avait expliqué, en France, à Paris, un peu, mais quand c'est plutôt à Marseille, et ben ça va être un peu. Il y a des différents signes en fonction des régions aussi, comme les expressions en fait, comme quand on parle. Mais c'est rare, oui. Ouais. Mais c'est intéressant. C'est comme les accents français. Nord-Sud, c'est différent, mais aussi des expressions. Nord-Sud, c'est différent. En Inde-Sud, c'est pareil. Mais c'est vrai qu'aussi, pour les langues parlées à l'étranger, il y a beaucoup de personnes qui disent aussi, quand on parle, disent pourquoi le français, vous avez autant de verbes de conjugaison, l'orthographe c'est difficile, la grammaire c'est difficile. En anglais, tout est facile. Genre on fait tac, 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 ou en mandarin il y a trois temps, on conjugue même pas, c'est moi manger hier bien. C'est vraiment les trucs, mais parce que chaque langue a sa manière de se développer. Il y a même certains nombres, la salutation, oh les nombres, compter c'est difficile, oh là là, compter c'est vraiment difficile, je suis en train d'apprendre, des fois je révise, je suis tout seul, j'en ai des crampes au bras. C'est... Je me rappelle, moi aussi, quand j'ai commencé à apprendre les chiffres, les nombres. Au début, ça allait, mais après, j'ai galéré pendant des semaines. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Et là, tu fais 6, 1, 1, 1. Non. 6. Voilà. et 10. Non, c'est pas 10. C'est 10. Voilà. Non, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Non, c'est... Ah. Voilà. Parce que voilà, et pareil, ça c'est 20,
Et ça, c'est 50. 50. 50. 20. 50. 50. Donc c'est voilà, et tu t'embrouilles tout le temps, tu te trompes, tu fais des erreurs tout le temps et tout. tu fais des erreurs tout le temps et tout. Merci beaucoup Cindy pour le follow. Donc on est nombreux, hein. Il y a beaucoup moins. Là on est attends. On est 22. C'est ça? 22. Parce que ça, 22, c'est... Ouais, j'ai appris de les deux et l'une. Tac, comme ça. Et quand c'est les dizaines, par contre, c'est quoi ça? C'est 11, 12, 13, 14. Non, c'est pas ça. Ah je te dis, c'est difficile pour moi de compter. C'est tout à bête. Là, en fait, tu peux penser de 11 à 15 comme t'es une main. Ouais. T'es léger. Mais t'es bien le haut. 11, 12, 13, 14, 15. Et comme t'es deux mains, t'es lourd. Vers le bas. C'est ça qui me rend fou. C'est ça qui me rend fou. C'est 11, 12, 13, 14, 15. Et après, 16, 17, 18, 19 et 20. Mais c'est... Non, bah après, c'est pareil. C'est difficile compter en parlant parce que ça fait des additions. De 11 à 15 par le haut. Bah voilà. Bah, justement. La même astuce, ouais. Parfait. Il y a des bons, il y a des bons. Pareil, dans les lives, il y a des gens qui viennent, ils connaissent la LSF, donc ils m'aident un peu des fois. Et je leur dis des fois, ce signe-là, moi, c'est mon préféré et tout. Ils font, oh, attends, calme-toi, parce que moi, je connais. Et ils me disent dans le chat des mots. Après, je vais sur Elix et je regarde. Bah, il est trop bien, il est trop bien. Genre, ah, par contre, c'est impossible à signer quand on discute. Par exemple, tortue de mer, il faudrait ça à le placer dans une discussion. Chauve-souris, escargot, c'est difficile. Mais il y a plein de signes qui sont super jolis. Quoi. Moi, mon préféré, moi, ça reste... Ça reste le chansigne. Ça, c'est chanter, et ça, c'est le chansigne. Ça, c'est mon signe préféré. Ça, c'est, voilà. Il est loin au-dessus. Même si l'escargot, oh, il est bien aussi. Et comme ça, et ça. Escargot. Tic, tic, tic. Et c'est lent. Ah, c'est lent, oui. Là, je fais l'escargot, je fais turbo comme dans le film de Walt Disney. Par contre, je sais aussi. Pas escargot, mais un signe comme ça, c'est E-H-P-A-D. E-H-P-A-D. EHPAD, EHPAD, ok, oui. D'accord, EHPAD. Il t'a dit. Ah, d'accord. Comme ça, EHPAD, ok. Il n'est pas coupé, pourquoi? Ok, ouais. Je sais pas. Les EHPAD, c'est les endroits. Bon, voilà. On en entend beaucoup parler en ce moment aux informations à la télé. C'est les instituts spécialisés qui s'occupent des personnes âgées, qui sont dépendantes. Donc, ça ressemble un peu à avion aussi. Oui, avion. Avion. Bah, avion, c'est comme ça, c'est ça? Avion. Avion. Ou alors ça atterrit, c'est comme ça. Tout. Bateau, voiture, moto, scooter, bref. Vélo. On va tout refaire le lexique. On va tout refaire. Chat. Parce que les vieux, ceux-là, c'est pas comme des escargots. Peut-être que les maisons de retraite, puis les personnes âgées, ceux-là. Peut-être que mais ils sont un peu plus rapides que les l'escargot, donc ça fait. Voilà. Ça va vite un petit peu. Non, mais c'est peut-être ça en plus, hein, c'est peut-être ça. Mais c'est vrai qu'en LSF, il y a beaucoup de signes qui sont, c'est pas méchant, mais c'est direct. Et quand on te dit, voilà quoi, c'est... En fait, t'es la culture sourde. Ouais. T'es des sourds, en fait, par exemple, plus entendant. Un exemple bête, mais tout le comprend facilement. Par exemple, une personne veut draguer une autre personne. Elle va draguer, mais elle va pas draguer tout de suite. Après, ça dépend qui, mais
généralement, on passe des discours, des sorties, nanana, pour arriver à un objectif précis. L'issue, t'es direct, t'es célibataire, ok? Ils ont pas le temps, ils ont pas le temps. Mais Mais. il y avait des signes comme ça qui étaient un peu particuliers, comme par exemple, alors on m'avait expliqué, alors je sais pas si c'est vrai, c'était pour lesbienne que ça avait changé parce qu'avant c'était lesbienne et que du coup ils ont fait bah ouais, bon, allez, on change lesbienne parce que bon, ça va quoi, parce que gay pour les garçons c'est plutôt gay parce qu'il y avait la boucle d'oreille d'un côté ou de l'autre suivant que tu étais gay ou hétéro, c'était il y a longtemps, maintenant c'est plus comme ça. Et donc voilà, il y a des fois. Mais c'est comme les signes. Toi, ton prénom signé, c'est le M de Mélanie avec les cheveux, parce que avant, t'avais les cheveux longs. Donc c'est Mélanie. Moi, c'est Laurent parce que j'ai les cheveux blancs. Mais il y avait. C'est souvent un exemple que j'explique beaucoup. Il y a un professeur. C'est Fanny qui m'a expliqué. Elle a un professeur, un collègue. Collègue, c'est comment c'est? Non, ça c'est ami. Collègue, c'est Collègue. collègue. C'est un collègue. Ses élèves sourds, il l'avait appelé. Son signe, c'était ça. C'était ça. C'était parce qu'il était chauve, il n'avait pas de cheveux. Donc toi, c'est ça. Il était comme ça. Parce que voilà, mais au moins ils savent de qui on parle. Comme quand il y a plusieurs dans notre entourage, il y a plusieurs Frédéric ou plusieurs Mathieu. Et ben on va dire bah Mathieu, celui qui a les cheveux noirs, ou Frédéric, la fille ou le garçon. Donc on va toujours trouver un moyen en parlant de savoir de qui on parle. Bah en signe, bah c'est comme ça pour tout le monde en fait, quel que soit le prénom, pour qu'on puisse signer. Sinon t'imagines, faut M, E, L, A, N, I, E. Ouais, Le LPC, voilà. Après, il faut apprendre le deuxième truc. LPC. Non, c'est mieux à l'étape. Donc, le lit, c'est facile à retenir, c'est mignon. Ouais, le lit, c'est comme ça, c'est ça. C'est ça, c'est le lit, c'est comme ça. Chaise aussi, c'est. Tu mets sous la table la chaise. Mais c'est les trucs qu'on avait révisé la semaine dernière avec Mélanie. Tu vas retenir EHPAD, escargot hyper plus accéléré de ouf. Mais c'est comme ça, c'est des petits trucs qu'on va. Ça va nous aider à retenir, d'avoir des trucs comme ça qui sont un peu drôles. Moi, c'est comme ça. Des fois, j'ai un peu honte, des fois j'avoue à Mélanie que moi pour retenir je pense c'est comme ceci, comme cela. Des fois ça la fait rigoler Mélanie des fois. Et bien pour la lettre E, je t'avais expliqué, ça m'a pris une Ah heure pour expliquer. oui, c'est la série. La lettre E pour la retenir, c'était la série Manimal, la série des années 90-80. Où il y a quelqu'un qui se transforme en animal, et quand il se transforme en aigle, il dit que ça. Il y avait les plumes qui poussaient comme ça, et quand c'était en panthère, la panthère, j'ai oublié le signe pour panthère. Je Mais il n'y m'en a pas. Il n'y a pas. Ouais, c'est un gros chat. Voilà. Panthère, c'est Et pas. en fait, pour se transformer en panthère, il mettait ses mains comme ça, puis il faisait. C'est drôle. Et ses mains, elles faisaient comme ça, il y avait les griffes qui sortaient comme ça. Et du coup, je me suis dit, bah, ça, c'est Manimal, c'est le C'est bête, mais voilà, moi, ça m'aide à rappeler. Voilà. Vous, Tant vous mieux faites pour toi. comme vous voulez. Ouais, j'ai été chercher loin, mais en fait, dès que j'ai appris l'alphabet, ça, direct, ça m'a fait penser à ça tout de suite, en fait. Donc, ça m'a aidé. C'est pas, je me suis forcé à apprendre ça comme ça, machin, mais bon, il y a des choses qui viennent. Moi, je vois tout à fait le pourquoi. On voyait ses mains qui se déformaient. Ben voilà. Toi, Mélanie, que
Comment toi, pour apprendre la SF, tu as pu avoir des petits trucs pour tricher, pour apprendre plus vite, des trucs pour ceux qui commencent un petit peu là aujourd'hui? Alors, je pense qu'en tant que personne jeune et personne entendant, c'est différent pour l'apprentissage. Tu peux le tuer comme une plus visuelle. On a une très très bonne mémoire visuelle, ce qui fait bah, on retient des choses, mais il n'y a pas de triche. Après, je réfléchis, mais c'est pas comme tu es, je sais pas. Peut-être que j'en avais, mais je me souviens plus. Aujourd'hui, c'est complètement naturel pour moi. C'était il y a longtemps, ouais, c'était longtemps. Bah, peut-être, voilà, après, comme j'ai une mémoire visuelle, bah, peut-être que j'ai pas eu besoin de C'était tricher. plus facile pour Peut-être. toi, ouais. Ok. Parce qu'en plus, pour apprendre une nouvelle langue parlée, bah, on prend des notes. Alors que pour le signe, bah, si on prend des notes, il faut dessiner. Il Dessiner. faut dessiner, donc c'est plus difficile. Parce que déjà, il faut savoir dessiner. Déjà, Mais faut que ça soit où? joli. Il faut que tu arrives à reconnaître à comprendre tes propres dessins. Et puis Voilà, ça prend du temps. voilà, tu filmes. Ah, tu filmes aussi, ouais. Tu filmes aussi. Bah justement, il y a les vidéos. Donc sur YouTube, il y a plein de personnes sourdes qui ont des chaînes YouTube. Donc il y a Mélanie, il y a Lucas, il y en a plein pour la LSF. Et il y a aussi les émissions de France Télé, donc L'œil et la main, où on a. Alors il y a des gens, des fois ils mettent les vidéos sur YouTube, mais en fait L'œil et la main, ils ont pas de chaîne YouTube. Il faut aller sur Internet, sur leur site. Donc il y a les replays de toutes les émissions, elles sont disponibles 2 ans, 3 ans, je crois. C'est long. Enfin, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup. C'est deux reportages, je crois, qui font 20 minutes, ouais. Un à peu près. 25 à peu près. Et en fait, il y a. Donc, c'est des personnes sourdes. Elles signent. On entend pour les entendants, il y a le narrateur qui parle. Et en plus, il y a les sous-titres. Donc, il y a trois canaux de communication. Donc, c'est trop bien. Moi, je regarde ça une fois par semaine. Je vais regarder, je regarde une qui m'intéresse. Paf! Je mets la vidéo, 25 minutes, je regarde comme ça. Alors des fois je mets pause, je reviens en arrière parce que j'ai pas bien vu le signe. Ah Mais oui. ah, il signe vraiment super vite. Normal. Ah bah il signe depuis 20, Hein. 30 ans, voilà. Et la Je main, quoi d'autre pour commencer à apprendre? Après, il y a des bouquins. Ouais, les Enfin, signer. moi, j'avais commencé comme ça. Mais je sais que les bouquins, c'est pas facile à bien visualiser des images, tout ça. Et moi, tu as été un beau super. M'aider en fait à apprendre à me dessiner. Après, je suis en train de méthode. Sinon, il y a. Bah, pour moi, la bonne solution, c'est de rencontrer des sourds. Même si vous êtes débutant, au moins essayer d'aller dans des cafés de dessin. Il y a toujours des débutants entendants aussi. Mais entre vous, vous pouvez apprendre. Et aussi, ça vous entraîne à travailler vos yeux parce que, en tant que sourd, comme on a une bonne mémoire visuelle, et aussi au niveau des lèvres, tout ça, nos yeux ont pas mal travaillé, ce qui fait, bah, voilà, oui. Puis les entendants, si vous regardez ici, au bout de 30 minutes, vous êtes déjà fatigué, c'est normal, c'est normal. Je vais Il vous faut mettre. s'entraîner à regarder des films petit à petit, peut-être plus long, pour se préparer au niveau compréhension, et après, pratiquer. Je vais vous ajouter aussi un truc que je pense que Mélanie, elle va bien aimer. C'est hop, ceci. Donc ceci, je vais rectifier un peu le truc là, pour que ce soit un peu plus joli. Hop. Hop, donc ça c'est dictionnaire Elix. Donc vous allez sur, je vous mettrai le lien
Vous avez le lien, je crois, dans la bio de ma page Twitch. Donc, c'est Elix, c'est un dictionnaire gratuit. C'est un dictionnaire gratuit de langue des signes. Je vous le mets dans le chat. Hop. C'est Elix. Donc, c'est gratuit. C'est gratuit. Et là, vous tapez un mot, par exemple, on va dire un truc simple. Voilà, bonjour. Et boum, vous avez. Bonjour, le signe qui est fait, et ça, et c'est gratuit. C'est gratuit, et c'est vraiment trop bien. Moi, j'adore, et ça m'aide vraiment beaucoup, parce que des fois, j'oublie juste un signe, et je vais le retrouver voilà, pour pouvoir réviser plus facilement. Alors, par contre, Mélanie, toi, tu expliquais que Elix, c'est super, mais. Ça peut pas apprendre la LSF. En fait, t'es un support. Pourquoi? T'as juste pour aider. En fait, pour moi, c'est comme si tu apprenais la langue française avec un dictionnaire. Et on n'apprend pas comme ça. T'es juste, par exemple, si vous dites ah, mais oui, mais par exemple, comment on dit train? Un train, on en dessous, hop, je regarde et tout, et dit, ok. Mais vraiment apprendre. Oui, parce que la syntaxe est différente en plus. Ouais. C'est comme le bouquin, c'est un petit peu pareil. En fait. Moi, je préfère un bouquin, parce qu'il y a des thèmes, communication, des thèmes sur les aliments, les vêtements, etc. Tu fais, tu peux aider. Je ne sais pas s'il y a toujours, là, il y a des promotions en ce moment pour ceux qui veulent acheter Signe de main. Les cartes, ouais, il y a des promos sur les cartes en ce moment. Il y a des jeux de cartes. Il y a des jeux de cartes trop bien chez Signe de main. Il y a des promos en ce moment. Au lieu de 15 euros, c'est 12 euros. Et c'est des jeux de cartes où en fait, on peut réviser comme ça, on pose les cartes et on s'envoie des cartes aux adversaires. Et s'ils n'arrivent pas à signer, ils perdent des points. Donc ça permet d'apprendre à signer de manière super, super drôle. C'est ludique, c'est sympa. Il y a aussi. C'était quand il y a le jeu de cartes c'était quand c'est un jeu de cartes où on pose les dates sur comme un agenda et tac tac oui. Tac tac on choisit les trucs, ça fait un peu comme time je sais pas quoi. Il y a des événements clés de la culture sourde depuis quelle date les sourds ils peuvent se marier entre eux pour se marier deux personnes sourdes et on pose. Et après, on retourne pour voir la date. Et est-ce qu'on l'a bien mis correctement dans la frise au bon endroit? Et des fois, on a beaucoup de surprises. Ça permet d'apprendre aussi la culture sourde. Et l'histoire des sourds. Ouais, l'histoire des sourds. Je l'ai dit, les cartes. Ouais, moi aussi, je l'ai celui-là. Bah après, tu connais tout par cœur. Après, c'est... Oui. Voilà. C'est bien. Après, ça peut être du jeu. C'est super. Avec des élèves, avec des personnes. Et là, sur les jeux de cartes de signes de main, il y a... Il y a des signes en fait. Et comme tu disais, c'est ça qui m'a fait penser. C'est par thématique. Il y a la nourriture, il y a les métiers, je crois. Il y a plein de thématiques en fait avec les extensions. T'as des trucs comme ça. Donc c'est vraiment. Il y a plein de petits trucs. Alors évidemment, ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça finit par coûter cher. Donc, voilà. Mais après, c'est pareil que d'apprendre l'anglais ou l'allemand ou le russe quand on a passé la vingtaine. Il faudra toujours payer. C'est normal. Oui. C'est normal. Mais Mélanie, elle apprend bien, puis c'est pas trop cher. Gratuit, non. Mais ça va, c'est pas trop cher. Puis surtout, les cours sont top. Mais en plus, toi, ce que j'aime, c'est que toi, tu expliques les signes. C'est qu'on va faire, on va dire, de 12, 13, 14. Allez. 15 signes, mais chaque signe, tu vas expliquer pourquoi on signe comme ça. Et ça aide beaucoup à retenir. Je sais, oui. J'aime beaucoup les origines des signes. Et je sais que ça aide beaucoup la personne à apprendre plus facilement. C'est normal. Alors, je regarde un peu le chat. Avec la main droite, une main gauche. Oui, il y a des gens qui m'ont demandé si c'était important de signer quand tu étais gaucher, s'il y avait un sens quand on dit bonjour. Est-ce que c'est toujours bonjour, 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 ou est-ce que quand on fait bonjour, c'est pareil? Ah oui. Pareil, voilà. En fait, une personne gauchie. En fait,
L'important, c'est pas main droite, main gauche, tout ça. L'important, c'est main dominante et l'autre, non. La main dominante, c'est le droitier, c'est la main droite. Et ça veut dire que tous les signes, pas tous les signes, mais par exemple, bonjour, ça va, t'as fait deux mains, d'accord? Bonjour, au revoir, oui, non. Systématiquement avec la main dominante. Ici, pour les gauchers, la main dominante, la main gauche, bah, elle va signer avec la main gauche. Pareil pour les chiffres, du coup, bah. Ouais, pour les chiffres, c'est pareil, sauf que pour la main droite, enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais ça va pour la main droite, c'est 1, 2, 3, 4, 5. La main gauche, c'est avec la main gauche. Mais si par exemple on a 5, 6, 7, 8, 9, 10, le 6, 7, 8, 9, c'est la main droite qui bouge. Donc la main dominante, la main gauche, elle est fixe, elle ne bouge pas. C'est toujours comme ça pour les droitiers. Pour les gauchers, c'est l'inverse. Parce qu'on m'avait demandé lundi dernier, et je ne savais pas, j'ai dit, ah, moi, je vais pas répondre, on va attendre qu'est Mélanie vendredi Ça va. pour expliquer, voilà, ouais, c'est cool. C'est cool. Après, il y a des personnes, je ne dis plus le nom précis, il y a des personnes qui écrivent avec la main droite et la main gauche. Tu sais. Ouais, Et les bah, ambidextres, ils sont les deux ouais, mains, bah, ouais. je dis comment ça se passe. Alors, t'as un conseil, c'est que faut pas changer la main dominante. Parce qu'il y a un moment, on va plus rien comprendre. C'est pas qu'on va plus rien comprendre, mais t'es un peu. On va être un peu perdu, en fait. Donc, si vous décrivez avec les deux mains, bah, choisissez avec la main avec laquelle vous êtes plus à l'aise, utilisez en tant que main dominante, là, aussi. Ça fait trop bizarre d'entendre ta voix quand tu parles, parce que c'est vrai que quand on est en visio, on révise, on n'a pas de micro en fait. On coupe le micro, comme ça moi je suis sourd. Moi je suis sourd pendant 1 heure quand je suis avec Mélanie. Et j'apprends, mais vite, c'est un truc de fou. Alors des fois, on triche un peu, des fois on écrit Au début, on écrit quand il y a besoin. On écrit beaucoup, mais moi on écrit quasiment plus rien. T'as vu? Petit à petit, c'est normal. Mais la voix, t'es pas une bonne solution. Signer et parler, bon là, je le fais juste pour que ça soit accessible. Oui, Mais là, pour le faut pas live. parler et signer en même temps. Je déconseille. Je déconseille pour toi. Mais c'est vrai que je me rends compte en plus. Là, je comprends en plus les. Comme là, tu as allumé ton micro. J'entends tout chez toi. Ton chien, quand il marche, j'entends les bruits par terre. Les griffes sur le sol. Dès que tu touches quelque chose, voilà, c'est bizarre. Moi, du coup, des fois, je préfère quand. Vas-y, coupe le son. Je préfère. J'aime bien être. Quand on révise, c'est plus facile pour se concentrer. Ouais. Tout travailler des yeux, couper les oreilles. C'est ça. Moi, je suis pas placé à l'envers. Là, c'est ma main droite. Donc, normalement, elle est. C'est bien ma main droite pour vous. Non, j'arrêtais pas de répéter avant dans les lives d'avant. Je disais que moi j'étais à l'envers, mais non, c'est parce qu'en fait, moi je voulais me voir, et là en fait, pour moi, c'est cette main-là qui bouge. Donc Oui. c'est bizarre quoi. Comme je me filme avec la caméra, ça m'inverse, mais pour vous, moi je suis dans mon sens. Là, c'est bien ma main droite, et là, c'est bien ma main gauche avec la lance. Il y a un animal dans la grande boîte transparente derrière Mélanie à côté de la télé. Oui, c'est. C'est un coucher d'un, lui. Il dort. C'est trop bien, j'apprends des signes comme ça, cochon d'Inde. Et du coup, l'Inde, bah, c'est le pays, ouais. C'est le pays, ouais. Exactement. Et même le chien de Mélanie, c'est drôle parce que quand on révise et que ça dure longtemps, le chien, je vois, son chien, il vient, tac, 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 il vient se mettre à côté,
Il se met là et il attend. Il attend. Il attend parce qu'il veut manger. Donc il est comme ça. Voilà. Parce qu'il sait que si fait. Bah toi, tu es. Donc voilà qui. Il attend. Il attend, c'est tout. Mais des fois il me fascine. Des fois il pleure, des fois il attend. Des fois il me fait. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions sur la médecine? Parce que sinon, moi, je peux demander. Je peux demander à Mélanie, les questions qui reviennent très, très souvent. Donc, on a fait pourquoi les signes différents, ça, c'est bon. On a fait main droite, main gauche, ça, c'est bon. Alors, pourquoi il y a des sourds? Pour s'appareiller ou pour s'implanter, ils veulent pas. Pourquoi? Pourquoi les sourds ne veulent pas s'implanter, tout ça? Voilà, ils veulent pas tous. Voilà, ils veulent pas tous. Certains, oui, et Oui. d'autres, non. Voilà, parce que pour un entendant, il dit, mais pourquoi? Entendre, c'est super. Pourquoi? Déjà, moi, il faut savoir que je suis pas du contre l'implant. Mais pour moi, je n'en veux pas. Je me souviens, j'étais au collège et j'ai mes appareils depuis un an et demi. J'entends suffisamment pour moi. J'entends les voitures, j'entends la musique, j'entends les oiseaux, des fois, j'entends Alors, pas mal de choses. juste pour commencer, explique la différence entre appareiller et implanter. Voilà, les C'est ça. appareils, c'est. Je ne sais pas si je peux le. Si Oui, tout c'est le monde bon. peut Oui, ça se voir, voit. Ouais, ça se voit. comme ça. Voilà, donc c'est petit. Hein, et t'as hop, plus fin le son. Tandis qu'un implant, il peut te faire opérer près de l'oreille, peut mettre un aimant dans la Comme le tête, cas. comme le cas. Et l'appareil, il y a un pull avec un aimant qui est relié au cerveau. Bon, après, précisément, j'ai vu que les détails. Sur la chaîne YouTube de Lucas, vous pourrez voir, il explique l'implant cochléaire. Voilà. Donc Après, c'est la grosse différence. Ouais. moi, par exemple, moi, j'entends plus les sons graves que les sons aigus. Mais tout ce qui est d'alarme, je n'entends pas. Donc, Ah ouais? les choses importantes, non, pas. Si Tu peux entendre y a le feu, l'alarme, tu entends pas? des fois, tu es tellement aigu que j'entends pas. Ok. C'est bien, tellement fort. Mais Ah du coup ton chien continue comme ça, bah du coup tu n'entends pas. ça, Si, si. quand t'as ça, je coupe mes appareils. C'est des mal. Bref, voilà, la différence de ça. Et je crois, après, ça dépend des personnes, qu'un implant, t'entends plus les sons aigus, mais les sons graves, je sais pas. Et pour les appareils, normalement, t'es plus des sons graves. Mais après, t'es peut-être. Ça dépend des personnes, peut-être. Ensuite, ah oui, par rapport à un implant, ah, je ne sais plus. Parce que les appareils. Attends, je ne sais pas comment expliquer. Par exemple, quand on te fait implanter, on ne peut plus remettre les appareils après. Par exemple, une personne qui te fait implanter et qu'un jour elle veut remettre les appareils, bah, elle ne pourra plus entendre. Peut-être qu'elle lui a coupé les. Je connais les signes, mais le mot, je sais pas. Bah Et. les bah, pas les Ouais. cordes mais les filaments, les scies, Voilà, le marteau, tout comme ça, Oui, il y a bah. des dégâts qui sont faits à l'intérieur. Et bah, t'es coupé, ce qui fait que bah, la personne ne peut plus remettre ses appareils. Elle va venir pour entendre un nouveau, par exemple. Et après, moi, je me souviens, quand j'étais au collège, les intervenants m'avaient insisté pour que je puisse avoir un implant. Et il me disait, mais oui, tu peux entendre des doigts de chanter, etc. Mais il se demande, mais il m'en fout des doigts, je suis bien comme je suis. Et j'avais pas envie de refaire la rééducation avec les sons travaillés, les sons précis, ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Et j'avais vraiment pas, j'étais pas motivée, et surtout, ça ne m'intéresse pas d'entendre plus. Moi, t'as mis tout de suite. Non, je mens.
Et les mêmes personnes avaient forcé aussi les parents que j'ai un implant. Putain, eux, ils ont refusé. Ils me disent, bah, t'es plus mon choix. T'es pas à eux de décider pour moi. Là, c'était une bonne chose parce que t'as des parents et des familles. Après, il y a des personnes qui ne veulent pas avoir un implant parce que bah, t'es terrifiant. T'as fait peur. Tu te fais opérer. Des fois, on peut avoir des échecs. Par exemple, le cerveau ne supporte pas les bruits, le son, ne supporte pas l'opération, etc. Ça peut avoir un échec, ça veut dire que la personne ne pourra plus jamais entendre. Voilà. Je n'étais pas à mes mots, ce qui me fait plus peur, c'est l'opération, et surtout, je ne voulais pas entendre plus. Après, peut-être un jour, si mon audition chute, tout ça peut arriver, qu'il chute à mort, peut-être que là, je réfléchis. Après, t'as des pas. Voilà, des cils. C'était les cils, ouais, comme pour les yeux. Okay. Mais voilà. T'as des peurs des personnes, des familles, aussi surtout les médecins. Souvent, les médecins insistent. La famille, les parents, à avoir un implant lorsque le bébé il naît tout de suite. Le médecin me dit, mais oui, il est sûr, mais il ne peut pas implanter. Il entendra comme un entendant. Il ne peut pas dire ça. Un sourd, elle sera sourd. Il entendra un petit peu plus, mais il n'entendra pas comme un entendant. Ce n'est pas possible. C'est ça, bah, il entendra très bien même, mais pas comme un entendant. Ce n'est pas possible. Il y avait Titi avoir l'opération, tout ça, pour que l'enfant soit comme un attendant. Vous savez, c'est la faute du médecin qui ne veut pas de son option différente. La langue des signes, les appareils, tout ça. Voilà. Il y a Titi et Lulu, sur YouTube, Titi et Lulu, elles avaient fait une vidéo où elles expliquaient à l'intérieur comment c'était fait. Oh là là, il y a le son, justement. La vidéo. Je vais retrouver la vidéo, je vais la mettre dans le chat. Tiens, voilà, je peux remettre. Voilà, Titi et Lulu, c'est leur chaîne YouTube. Hop, je vais mettre en grand Titi et Lulu. Où est-ce qu'elle était la vidéo? Flexion d'entendant, un sourd s'il te plaît, la foire aux questions, blablabla. Blablabla. Comment appeler un sourd, accessoire de sourd. Ah là là, elles avaient une vidéo où elles expliquaient surdité. Voilà la surdité. La surdité, c'est quoi? Pour rien, c'est trop drôle. De quoi? Parce qu'elle est en train de crier. Elle est en train de crier. Allez. Tout le temps. Je vais. Hop. Je mets la vidéo dans le chat, comme ça vous l'aurez plus tard pour la rediff. Mais c'est. Je peux la mettre peut-être la vidéo. Non, elle dure 8 minutes, c'est long. Vous regarderez la vidéo de Titi et Lulu sur. Elles expliquent ce que c'est que. Elles expliquent la surdité, c'est quoi. Et donc. Attendez, je vais regarder. Okay. Hop. C'est intéressant. Plein sur YouTube. Des personnes qui font des vidéos qui sont sourdes, il y en a plein. Ouais. C'est pour ça que c'est important. Alors là, c'est important, surtout si vous avez une chaîne YouTube, faites les sous-titres, s'il vous plaît, faites les sous-titres. Même si votre vidéo elle est en français, les sous-titres, c'est super important. Ouais. Ça, vous allez comprendre quand vous allez regarder l'œil et la main. Si les sous-titres n'y a pas, bah vous ne comprenez rien parce que les signes, si vous ne connaissez pas. Donc là, c'est pareil. Donc vraiment, c'est super important. Si vous faites des vidéos sur YouTube, les sous-titres. Oui. Ça prend du temps, je sais, ça prend du temps. Moi, faire les sous-titres, ça me pour travail, ça me prend. 10 minutes pour une heure de vidéo. 10 minutes pour sous-titrer une. Non,
Je dis n'importe quoi. C'est l'inverse, c'est 1 heure de travail pour 10 minutes de vidéo. Donc c'est quand je faisais une vidéo, donc un XXL sur conduit social d'1 heure et demie, bah, c'était toutes mes soirées de la semaine qui passaient. Donc, c'était 10, 12, 13 heures de travail pour réussir à faire les sous-titres, mais c'est important. Donc si vous pouvez, c'est bien. Alors moi, forcément, sur les lives, ça fait 2 heures, 3 heures de live à chaque fois, plusieurs fois par semaine. Je peux pas faire les sous-titres, c'est pas possible. Mais quand c'est une vidéo, voilà, que je prépare, des fois, j'essaye de faire au maximum pour les vidéos courtes sur YouTube. J'essaye de trouver le temps pour travailler, pour faire les sous-titres. Je vais remonter ma chaise parce que ma chaise a été ça. Je vais répondre à une personne qui dit que malheureusement YouTube a le plus difficile à mettre de sous-titres, enfin le public sur les vidéos. Ouais, c'est vrai. Hein? Je sais savoir quelque chose que en septembre dernier, mais pendant la semaine mondiale de sous, YouTube a décidé de supprimer la contribution des sous-titres. Ça veut dire par exemple un YouTubeur va mettre sa vidéo. Mais va activer le fait, la possibilité que les personnes, tes abonnés, tout ça, peuvent rédiger des sous-titres pour cette vidéo. Et bien YouTube va supprimer ça. Donc, ça veut dire qu'il n'a plus le choix d'avoir des sous-titres automatiques. Mais j'ai remarqué par rapport à plusieurs années, les sous-titres automatiques, c'est bien amélioré. Ouais, mais c'est pas fini. Après, ça dépend qui parle. Ça dépend. Moi. Quand je parle vite et du coup les mots des fois ça part. Ça voilà, c'est à la personne de rédiger le sous-titre dans ton compte. Excuse-moi, ça, t'es dommage. Après, il y a une solution, donc on peut tricher, c'est-à-dire que vous prenez hop l'adresse internet de la vidéo et vous allez le mettre sur le site Amara, donc c'est un site pour faire les sous-titres. Après, vous allez attraper le fichier pour le remettre sur YouTube, sur la vidéo. Donc c'est plus long, c'est plus difficile, ça demande 2 étapes en plus. Mais sur YouTube, quand on faisait les sous-titres, le programme pour faire les sous-titres, c'était le même que Amara. Ils ont vraiment repris le même concept. La vidéo défile, on écrit les sous-titres et dès qu'on appuie, qu'on écrit, la vidéo, hop, elle s'arrête, elle est en pause, dès qu'on appuie sur une touche. Donc pour vraiment, on écrit, ça parle, on écrit, ça parle, on écrit. Et si on tape vite, ça peut être plus facile. Et YouTube, c'était pareil, donc il y avait un bouton pour lancer, etc. Donc il y avait plein de trucs. Donc vous pouvez. Choper l'URL internet de la vidéo, vous mettez le sous-titre Amara, faites les sous-titres, et après vous chopez le fichier et vous l'envoyez par email au vidéaste. Voilà, tiens, les sous-titres, et comme ça il a juste à importer le fichier sous-titres dans la vidéo YouTube, dans un format qui est reconnu. Donc pour retenir, moi je suis bête, hein, pour retenir le fichier dans la forme, c'est VTT. Parce que je pense au vélo, moi. Je pense au vélo. Donc, VTT, ça, on peut sur Amara et sur YouTube, c'est bon. Ça communique. Donc, comme ça, vous envoyez le fichier. Et c'est un fichier sous-titre et il va vraiment être tout calé comme il faut sur la vidéo. Ça va être vraiment nickel, nickel. Donc, on peut toujours faire du sous-titre collaboratif, mais. C'est moins intuitif. Les gens, ils sont sur YouTube, ils vont se dire « Bon, allez, j'ai du temps, bon, allez, tac, 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 je vais le faire. » Alors que là, il faut prendre le truc, aller ailleurs, mettre dessus, tac, 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 exporter, envoyer. Il y a des gens qui disent « Ouais, vas-y, tant pis. » Il y a une personne qui dit que Twitch, tu peux activer un module pour avoir des sous-titres. Ah ouais, automatique ou... Il existe un module qui essaie de transcrire les paroles en live. Ça fonctionne plutôt bien 90% du temps. Bah, je connais pas. Faudra que je voie le module. Ouais.
Faudra que j'essaye. Faudra que j'essaye pour voir si ça marche. Ouais. Automatique. Et c'est quoi le nom du module du coup? Il est payant, faut être Prime sur, sur Twitch pour l'avoir le module ou c'est un module gratuit? Bon bah. Tolmir il va demander à une autre streameuse qui joue là sur Twitch. Donc on va voir. C'est un module à ouvrir sur Chrome, ça marche pas sous Firefox. Ouais bah ça après le navigateur internet on peut changer, c'est pas grave. Non mais bon. Ça va. Donc voilà, je vais regarder les vidéos de Mélanie. De Mélanie Div. C'est pas pour lui montrer les vieilles vidéos pour rigoler, c'est surtout pour voir. Ah oui. Alors Mélanie, toi à l'école, pour avec tes élèves, pour les jeunes, le masque. Bon. Le masque, tu as eu le masque transparent, c'est ça? Tu as eu le masque transparent. Ils sont chers les masques transparents, tu les aimes bien ou c'est pas terrible? Alors déjà, les masques transparents que j'ai reçus de mon établissement, c'est pas de moi, c'est de l'établissement, c'est des masques inclusifs. C'est des masques vraiment... Bon, là, je peux pas vous démontrer parce qu'il faut que je les lave. Ouais. Mais en gros, c'est des masques comme ça. Et les élèves, ils aiment pas. Ils aiment pas parce que t'es gros, t'es encombrant. En fait, il n'a pas pris la bonne taille. Il a pris la taille pour les hommes. Imaginez des enfants de 11 ans qui mettent un masque, qui descend, qui glissent. Enfin, t'es trop gros pour eux, c'est compliqué. Et aussi, ça fait un peu de bruit. Mais surtout, par exemple, quand il fait chaud, et ben c'est humide. Du coup, il faut le nettoyer régulièrement. C'est embêtant. Personnellement, ça ne me gêne pas. Le plus important, c'est de voir le visage, un minimum de l'expression faciale. Une interaction, c'est chiant dans mes temps. Mais par contre, j'ai une élève au lycée qui utilise un petit bruit. Et du coup, elle a essayé sur moi et ça a bien marché. Du coup, maintenant, ben, je suis en recherche d'acheter un flacon de petit bruit pour mettre sur le masque et le mettre tranquille. Il y a... Je regarde un petit peu les questions qui demandent les gens. Il y a des gens souvent, donc après c'est sur Twitter, sur Facebook, disent oui. Est-ce que toi, tu penses que la LSF, ça devrait être obligatoire à l'école? Parce qu'il y a beaucoup de sourds et il y a même beaucoup de sourds, il y a beaucoup de sourds qui ne signent pas. Parce qu'ils peuvent pas, c'est trop cher. Mais après, il faut savoir qu'au fil des générations, il y a beaucoup de sourds implantés, appareillés. Ce qui fait ne pas oublier de la langue des signes. Et t'as fait le type un peu l'avenir de la langue des signes. Tu auras toujours autant d'importance ou pas. Mais je remarque qu'il y a de plus en plus d'entendants chaque année qui veulent apprendre la langue des signes. C'est intéressant. Ouais, j'ai oublié ta question. pour que la LSF soit obligatoire à, oui. À l'école. Pour moi, je dirais, oui, ça devrait être obligatoire à l'école. Ça peut être intéressant de signer, même face à une personne entendante, même en tant qu'entendante. Par exemple, je sais pas, à travers une vitre, une voiture, à distance. Ça peut être utile pour la communication. Même une personne qui est malade, qui n'a pas envie de parler ou autre, ça peut être utile. Il y a plein de points positifs, même les bébés. C'est important pour les bébés. Même au bout de 6 mois, ils peuvent déjà communiquer avec... Communiquer, c'est pas genre... aller raconter sa journée, non? Ils apprennent à signer avant de parler. D'apprendre à parler, ouais. Ouais. Ça, c'est trop bien quand tu vois qu'à 6 mois, ton bébé
Il te fait comme ça, il fait papa, ou il fait maman, comme ça, ou il y a vraiment de la vraie communication, quoi. C'est vraiment de la vraie communication. Avant, enfin, faut être papa pour comprendre, mais voilà, c'est vous imaginez un peu ce que ça fait de tout petit bout comme ça, c'est tout petit au début, puis il signe, on peut communiquer. Bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Après. Après, par exemple, l'anglais, elle est obligatoire à l'école, etc. D'autres langues aussi. Mais pour moi, déjà, la langue des signes française, ça veut dire elle vient de la France. Enfin, pour moi, elle va être obligatoire en France. Je dis pas 4 heures par semaine, hein, mais minimum de sensibilisation, un minimum de connaître les bases. Bon, ça peut toujours, toujours, toujours utile dans la vie, même à l'avenir. Quand on travaille plus tard, on est face à une personne toujours, bah, la communication à passe. Bah c'est un peu. C'est drôle parce qu'il y avait Fanny qui expliquait les jeunes, hein, ses élèves à l'école. Ils disaient, oh, c'est trop bien le signer, on va pouvoir tricher, chut, on va Oui. pouvoir tricher, on signe comme ça. Mais Vous l'avez fait. sauf que ils ont oublié que la professeure, bah, elle connaît la langue des signes aussi, donc forcément, la joie, elle est de courte durée. Mais au début, c'est trop bien. Bon, moi, je me rappelle une fois sur Paris, j'étais très près de l'IVET, donc l'école qui apprend la langue des signes, etc. Donc c'est une grosse école avec Emmanuelle Laborie, qui est directrice. Et en fait, les élèves de l'école, ils sortaient, donc ils sortaient, ils partaient pour rentrer à la maison. Et donc, ils attendaient le bus. Le bus. Le signe pour le bus, le bus. Ah oui, tu t'accroches à la poignée, ok. Le bus. Et en fait, il y avait la rue avec deux sens de circulation. Donc, il y en avait ici, il y en avait là. Et en fait, ils arrivaient à discuter parce qu'ils signaient, en fait, ils signaient, il y avait les voitures qui passaient. Et là où moi, avec un pote, on aurait dû vraiment crier comme ça, bah oui, ils signaient tranquille, facile, et tout, 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 tout. Et je me suis dit, mais c'est ça, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Donc il y a des petits moments donnés, effectivement, c'est super. Moi, dans mon travail, des fois, il y a des enfants avec des sensibilités, de l'hypersensibilité auditive, ils ont des handicaps quelquefois, et des fois il faut se taire, il faut se taire, il faut faire le silence. Et quand on a besoin de quelque chose avec un collègue, si j'ai des collègues qui connaissent la langue des signes, ben c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut dire oui, voilà. On note et tout, machin. Enfin voilà. On peut se dire les choses, ou au pire, si on connaît pas le signe, au pire, on peut faire voilà le Y, O, N. Bon, en général, tu fais les trois, quatre premières lettres, tes collègues y comprennent. Ouais, ok, tiens, crayon, voilà. Mais il y a plein de moments où c'est pratique, mais comme tu disais, comme avant, tu expliquais. C'est pas juste, c'est important. C'est aussi que c'est intéressant. C'est intéressant parce que culturellement, c'est intéressant aussi. C'est comme apprendre une nouvelle langue avec ses codes, sa culture, son histoire. C'est aussi intéressant. C'est pas juste, ça peut servir. Ah, il est en train de rêver. Il est en train de dormir et il rêve. Bah, du coup, voilà, pareil. Le signe rêve, c'est avec la lettre R. Le petit chat. Il dort. Pardon. Bah, c'est pas grave. T'as eu l'info, c'est stream. Bah voilà, bah, je garde le lien de côté pour un prochain stream. Je verrai si ça marche. Alors. Dans le chat, ils expliquaient pour le masque.
quand il y a de la buée, pour ne pas avoir à essuyer, il y a des sprays. Il y a des sprays pour pas que ça fasse de la marque. C'est les mêmes que pour les lunettes pour natation pour la piscine. On met les sprays, ça protège un peu. Toi, quand tu fais tes cours avec les élèves, tu fais cours 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est fort que tu enlèves ton masque plusieurs fois pour nettoyer. Je peux revenir à la médecine obligatoire à l'école. Ça me rappelle un truc que quand j'étais à l'université. J'avais une amie qui était entendante, mais qui savait bien signer parce que mon frère, petit, les soirs. Et je me souviens, à un amphithéâtre, le professeur, il parlait. Je crois que c'était le lundi matin. Donc, un lundi matin, tu as envie de discuter avec ton ami. Du coup, pendant une heure, on fait que de signer, on peut parler. Et des fois, le peuple venait nous voir, venait me parler de quoi. Il disait, du coup, quoi. Donc, ils nous croyaient, parce qu'ils ne connaissaient pas la langue des signes. Il y a. Je regarde les questions en même temps. Alors, il y a. Des nouveaux signes, c'est compliqué parce que. Il y a quelqu'un qui m'a demandé pour les nouveaux signes, quand il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, comme par exemple Twitch pour les lives, c'est récent, c'est qui choisit le signe pour tout le monde? Est-ce qu'il y a l'Académie française comme pour l'en parler? C'est qui décide le signe qui est bon et celui-là? Poubelle, celui-là, c'est le bon. Peut-être pour moi, c'est l'Académie française, mais aussi les professeurs. Toujours avec beaucoup d'expérience. Il y a aussi des associations comme IBT, Visuel, MSF, etc. Et bien, eux, ils se mettent tout ensemble. Ils réfléchissent aussi, précis, valides, études. Voilà, ça marche comme ça, mais aujourd'hui ça marche tout avec les nouvelles technologies. Par exemple, le Covid. Le Covid, c'est comme ça. COVID. Qui a décidé ça? En fait, par exemple, tu fais deux ou l'autre, une personne qui se filme en train de signer Covid. Et bien, t'as diffusé, ça t'est partagé partout, et tout le monde maintenant l'utilise. Et t'es devenu le signe validé. Pas tout le monde. Ouais. Quand il y a par exemple à la télé Emmanuel Macron, j'ai oublié son signe, Macron. Voilà. Emmanuel Macron, c'est ça? Non, c'est Macron. Macron, quand il. Macron. Télé. Quand il à la télé, il parlait pour dire oui, voilà, on va être confiné, il y a le Covid. Juste à côté, il y avait l'interprète qui signait. Et du coup, c'est là, tu dis que c'est vraiment. C'est là qu'il y a des nouveaux signes qui apparaissent, qui pop. Du coup, faudrait demander à l'interprète qui t'a expliqué ce signe-là. C'était avant que les réseaux sociaux. Ouais. Déjà, on a parlé Covid. Oui, parce qu'il y avait des photos du Covid, en fait. On voyait, c'était une boule avec des antennes. Ils se sont dit, voilà, Covid. Avant, c'était Covid. C'était pas encore officiel. Et petit à petit, tout le monde fait ça maintenant. Mais par exemple, la forme du Covid, c'est la même que celle du sida? Mais le sida, c'est quoi le signe du sida? Sida. Ah, sida. Sida, ok. Et toi, tu sais pourquoi ce signe-là? C'est ça? Ouais, pourquoi? Tu sais pas? Ah, tu sais pas tout, hein. tu peux pas tout savoir. C'est pas que je t'ai cru, c'est que je me suis manqué. Il m'avait dit. Peut-être c'est le ruban
le ruban rouge pour qui. Du coup, c'est, je sais pas. Bah, peut-être dans les commentaires, elle peut me dire. Oui, peut-être. Vous avez toujours beaucoup, beaucoup de questions quand je suis seul. Bah, voilà, et Mélanie, tu les intimides. Hein. Tu les intimides. Les roues flamandes. Ah oui, les roues flaquettes pour ma compagnie. Il explique, c'est les cheveux qui descendent, effectivement. Donc, est-ce qu'il te reste encore des petits créneaux pour prendre encore des nouveaux élèves? Des nouveaux élèves, voir c'est fini, t'as plus le temps. Oui, je raconte encore des choses. Non, je veux dire, comment dire, est-ce que toi, pour avec moi, t'as ma professeure, est-ce que toi, tu peux, t'as encore le temps pour la semaine prochaine, avoir des nouveaux élèves. Bon, là, c'est l'école, là, c'est les élèves. Des nouveaux élèves, tu peux en prendre encore, ou alors c'est fini, toi, c'est plein. Pour les cours particuliers. Ouais, c'est ça. Bah, je pourrais de temps en temps, mais peut-être pas régulièrement, genre toutes les semaines, peut-être toutes les deux semaines, ça serait possible le week-end. Et la semaine, c'est pas possible pour moi. Bah, faut que tu gardes le temps pour toi, pour te reposer un peu. Bah, en fait, je travaille le soir. En plus, donc, je peux pas, en fait. C'est un problème. Après, j'ai plus le week-end. Tout s'arranger, tout est possible. Mais, ça va, en fonction du planning. Quand moi, j'arrête la LSF, je vous le dirai sur Twitter et comme ça. Laurent, il est parti, c'est bon, on y va. Vite. Après, par exemple, pendant les vacances scolaires, je peux. Si je peux m'occuper, je peux. Ça fait des stages, des petits stages. Mais voilà. Mais pas après pour progresser, pour apprendre. Moi, je fais toujours à l'envers, quoi, comme si on mettait dans la main. Non, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça. C'est mieux si vous faites toutes les semaines. Ça va. Le mieux, c'est vraiment d'aller à l'école, d'aller vraiment dans tout. Mais là, c'est cher. Alors, c'est quand on compte, c'est plus cher, comme je fais avec toi en particulier, mais on n'est que tous les deux. Alors que dans une classe avec 10 oui. élèves, oui. Voilà, c'est plus exactement. T'as besoin. J'aurais jamais progressé comme j'ai progressé avec toi si j'avais fait des cours en groupe de 5, 10. Parce qu'on va lisser le programme. Toi, tu me fais du programme sur mesure pour la Croix-Rouge aussi, pour apprendre tout ce qui est apprendre à sauver des vies, tout ça pour le PSC1. T'as mon objectif de... D'être formateur pour les sourds aussi, donc voilà, c'est très très personnalisé, donc c'est ça qui est cool. Donc ça, si vous faites le calcul en termes de temps divisé par le nombre d'heures que vous avez sur un segment de genre à l'IVT, ça coûte moins cher qu'avec Mélanie, mais avec Mélanie vous allez apprendre plus vite, et puis ça va être mieux, ça va être plus facile, voilà. Ça À l'IVT, c'est les professeurs, ils sont sourds, donc c'est vraiment on arrive. Il y a aussi les élèves sourds, donc c'est et ça signe, et c'est comme on a la main fatiguée, c'est difficile. Après on s'habitue, faut bien s'échauffer avant. Avant le live, je m'étais bien échauffé les poignets, justement, parce que je savais qu'on allait signer. Mais ouais, rien que d'apprendre mon alphabet, déjà ça. Qu'est-ce que j'ai eu mal au doigt. Le E, mais j'en ai eu des tendinites ici, avec le E. Mais je ne le fais pas. Ouais, tu le fais comme ça, ouais. Mais moi, j'ai toujours peur que les gens se...
se trompe avec le C. Si je fais comme ça. Ouais. Parce qu'il y en a qui signent, ils font A, B, C. Ils font vraiment comme ça. C. Après, ils font D, E. Ouais. Donc, des fois, après, ils font vite. On fait un truc, on signe l'alphabet tous les deux en même temps. Et voir, c'est qui nous deux qui finit en premier. Attends, vas-y, c'est là. Attention. 1, 2, 3. A, B, C, D, E. C'est fini? T'as fini? A, B, D. Mais non! Mais non! T'es méchante! On essaie encore. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N. J'étais jusqu'à N. J'étais jusqu'à N. P, Q, R. Oh la vache, j'étais loin. S, T, U, V, W, X, I, Y, Z. Ah oh, putain, le Y, j'ai du mal. Hein. Mon doigt, il a fait. Voilà, on verra dans. On va faire comme ça. On va voir pour. Là, je suis jusqu'à N. On verra après si j'arrive plus loin. Si j'arrive. Si j'arrive jusqu'à P, Q, on va voir. Elle a une personne qui a posé une question tout à l'heure. Comment tu organises un cours au lycée pour apprendre à l'ESF? Je fais comme tu te parles en même temps. Bah alors, au lycée, moi j'accepte maximum 40 personnes. Déjà, je peux pas faire plus que c'est possible. C'est compliqué à t'organiser. Généralement, je fais des travaux de binôme en groupe. Bien individuellement, chacun travaille avec les leçons, des exercices, etc. Et chacun passe au tableau pour signer et les deux écoutent. Ils disent qu'ils n'ont pas compris des choses comme ça. Après, comment dire, bah voilà, c'est surtout le travail en binôme, chacun signe, apprend, etc. Voilà. Il y avait une deuxième question aussi. Voilà. Ouais, on s'assoit en rond. La personne, elle a répondu. Il explique, voilà. Que... S'assoit tu vois, comme dans les amphithéâtres au lycée, voilà. Mais vraiment, parce qu'il faut que tous les élèves, quand il y a un élève qui signe, il faut que les autres élèves ils puissent le voir aussi. Alors que s'il est derrière, il faut se retourner, c'est difficile. Donc voilà, c'est chaud. Bah, il y a Fanny qui expliquait dans sa classe, comme c'est des élèves sourds avec en plus des handicaps, elle c'est en dessous de 10. C'est en dessous de 10. En dessous de 10. En dessous de 10. Donc c'est, je crois que c'est, peut-être je dis une bêtise, mais c'est 7 ou... Okay. 8, 9, mais voilà, c'est pas beaucoup parce que bah, il faut qu'elle aille les voir individuellement, c'est une classe. Et comme en plus de la surdité, il y a en plus des handicaps, ça peut être handicap mental, ça peut être handicap différent. C'est plus simple. Toi, c'est juste des personnes, des élèves qui veulent apprendre la LSF. Donc c'est 15. Oui, maximum. Et après, c'est 16, non, après c'est 16, 17, 19. C'est bah, bon, Ouais, t'es bien. T'es bien pour chiffrer. Mais après, je fais des groupes le jour prochain, etc. Je m'organise comme ça. Alors, il y a quelqu'un, son travail, c'était maître nageuse. Ça, je connais pas ce métier-là. C'est en signe pour... pour la piscine, maître nageuse, c'est professeur de natation. J'ai un enfant sourd et je me suis retrouvé embêté parce que je ne savais rien signer. Il aura fallu des bases à l'école de maître nageuse parce qu'elle avait un élève sourd. Les longueurs, etc. Après, je sais pas si tu peux regarder sur Elix, peut-être qu'il y a du vocabulaire qui t'intéresse. Ouais, juste un vocabulaire. Parce que, voilà, bah déjà, quand on nage, déjà, bah, signer, c'est pas pratique. Hein, c'est difficile quand on nage et signer en même temps. Et donc là, ouais. Mais, ouais,
1, 2, 3, 4, avec Snap, avec Elix, ça peut être super. Ça peut être super. Vous avez toujours le lien, Elix, je vous l'avais mis tout à l'heure. Elix, hop, je vous le remets un petit coup. Hop. Tac, dans le chat, bim. J'écoute juste si le son est bon. Elix, ça sort pour les débutants ou quand on est pris de court. Bah oui, oui, tellement. Mais c'est fou que ce soit gratuit en plus. Hein. C'est. Moi, j'ai passé un nombre d'heures incalculable sur le site pour réviser. Non, tu as pu voir, je sais pas si tu as été voir les replays de mes lives de révision en LSF. Tout le temps Elix, parce que je vais vérifier. Parce que même quand je me rappelle, des fois, je vais regarder quand même pour être sûr. Voilà. Donc je vais toujours, parce que des fois tu penses que tu te rappelles, alors qu'en fait, non, pas du tout. Tu t'es trompé, mais tu le sais pas. Parfois, tu Elix, il y a des signes qui viennent du Nord. Ouais, du Nord, tu m'avais dit, ouais. Des signes un peu différents. Ça peut être bon, mais les signes peuvent être différents. Et ça, c'est compliqué. Et puis, parfois, il y a pas plusieurs tous les signes. Des fois, il y a plusieurs signes, des fois, il n'y en a qu'un seul. Alors que moi, j'en ai appris plusieurs. Des fois, je vois trois signes, et sur Elix, il y en a un. C'est souvent le premier que j'ai retenu qui est sur Elix. Je me dis, ouais, mais c'est les autres que j'ai oubliés, moi. Du coup, après, je mets une petite croix. Mais là, on en a appris beaucoup. Là, on a combien? On a 560 plus, même. Donc, forcément, j'en oublie tout le temps. J'en oublie tout le temps. Il faut que je révise toutes les semaines. Toutes les semaines, il faut réviser. Après, on ne peut pas se focaliser que sur des mots. Ouais. Faire des phrases ou commencer à... Par exemple, quand tu vois le mot, okay, tu peux être entraîné à inventer une phrase avec le mot. Avec le signe, tu sais, petit à petit, ça va venir. Bah, c'est pour ça que je fais aussi des lives quand je révise, parce que ça m'aide déjà à réviser toutes les semaines et aussi à faire des phrases. Mmh. Faire des phrases, parce que quand j'explique comment je retiens un signe, et ben je signe. J'explique en signant aussi, donc ça m'entraîne, ça me fait réviser. Alors après, c'est difficile, parce qu'après, il faut pas que moi, mes lives, ce soit « Ouais, Laurent, professeur de LSF ». C'est compliqué déjà, parce que moi, je suis pas prof. Et en plus, en représentativité, d'avoir un entendant qui va choper tous les viewers sur sa chaîne, alors qu'il y a peut-être des sourds qui font des lives et puis il n'y a personne qui les regarde. Faire envoyer les personnes sur des vrais sourds qui signent vraiment depuis longtemps qui signent mieux, quoi. Enfin, signer mieux que moi, c'est facile. C'est facile. Moi, je suis tout en bas. Mais ouais. C'est comme toutes les langues, ça, c'est la pratique qui fait que tu n'oublies pas et que tu progresses aussi. Ce qui bloque beaucoup, comme on l'a dit, c'est le Covid. C'est le Covid, c'est seulement... Il y a plein de groupes Facebook pour aller dans les... C'est comme ça, Café des Signes, c'est ça? Café des Signes. Parce que ça, c'est Café... Signes. Et là, comme les cafés sont fermés, on n'a pas beaucoup de monde avec qui signer. Donc, j'ai la chance d'avoir Mélanie, donc une heure par semaine. Des fois un petit peu plus, donc on peut signer, moi je peux signer toutes les semaines, pour d'autres c'est difficile. Donc après je vais regarder l'œil et la main, je vais regarder Elix, mais c'est pas pareil. Non, mais habilement c'est un rhume, après c'est un peu de la triste, hein, que moi je vais beaucoup signer les mêmes signes tout le temps. C'est-à-dire que moi, quand je connais pas un signe,
je vais utiliser un signe différent ou je vais changer ma phrase pour réussir à signer, mais c'est moi je peux signer longtemps, mais ça va tourner en boucle, mais Oui. toujours pareil. Pour changer de thème. Ouais. Quand tu as pris Tortue de mer, c'est fini ta plongée. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tortue de mer. Ça me dit quelque chose, Tommy. On s'est déjà croisé. Bon, les gens qui se connaissent dans le chat, peut-être. Mais voilà. Bah, écoute, Mélanie, il est un petit peu tard. Moi, ce que je te propose, c'est d'arrêter maintenant. Parce que moi, je suis un peu fatigué parce que tu sais, j'ai des problèmes de dos, donc je suis un peu fatigué. Merci beaucoup, merci vraiment beaucoup à tout le monde d'être venu pour le live ce soir. C'était vraiment génial, merci beaucoup. Juste, restez, attendez juste quelques secondes, parce que quand c'est fini le stream, en général, je fais un raid sur une autre chaîne Twitch. Pour apporter du monde sur notre chaîne. Donc, je choisis une chaîne au hasard dans les personnes que je suis. Vous restez quelques secondes pour voir le contenu. S'il vous plaît, c'est super. Si vous aimez, vous restez. Sinon, bah, vous dites au revoir et puis vous partez. Et puis voilà. Donc juste restez 10 secondes. C'est ça, 10. C'est 10. Oh putain, c'est pas possible. Ah, j'en peux plus. Donc, 10 secondes le temps que je lance le raid. Merci beaucoup Mélanie, oui. c'était génial. Lundi il y aura Dame Fanny qui sera là en live avec moi sur la chaîne, donc va en surveiller le truc, ce sera à 20h, donc à 20h, vraiment, venez, c'est bon, j'ai cru que tu t'étouffais parce que je m'étais trompé, non c'est bon. Donc ça à 20h lundi, ça va être cool aussi avec Dame Fanny parce qu'elle va pouvoir expliquer son travail, son métier, comment elle fait pour enseigner avec son quotidien elle qui est très très spécifique. Merci Mélanie, restez quelques instants, on est une quinzaine, on va aller sur quoi est-ce qu'on pourra aller, je regarde, il y a MO5 qui est en live avec des émulateurs de jeux Neo Geo, ça a l'air bien, moi je vais aller voir ça en même temps que vous. Il y a le président de l'association, le vice-président, il y a David Prez avec sa fille qui sont là. Donc on fait un raid là-bas chez eux. Et puis on se retrouve très très bientôt à ce MO5. Je pense que c'est bon. Non, c'est slash raid. Hop. Que je me trompe pas. Hop. Avec le arrobase. Donc là, ça va être cool. Ah bah, t'arrives à la fin, Mikey. Tant pis. Ouais, on va aller voir du jeu vidéo. C'est pas grave. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. 5, 4, 3, 2, 1. Et bim, c'est parti.